Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas du tout. Je suis totalement dégoûté. Je viens de me connecter et j'ai vu mon sacré comme ça qui était bizarrement pas connecté, enfin pas comment pas stuffé avec juste l'ADD. Donc je me suis connecté dessus pour voir et je regarde. Il n'y avait plus rien dessus. Je regarde sur l'ADD. Il n'y a plus rien du tout. Alors pour regarder si j'avais encore parce que là j'ai eu peur, je me suis dit ouais j'ai peut-être mis des trucs en banque, alors j'ai été voir dans la bourse The Green si elle veut bien s'afficher. Enfin soit. Donc là je me suis dit putain je me suis pas fait hacker quand même, c'est un peu dégueulasse. Donc je me suis connecté, enfin j'ai changé de perso pour voir. Pour voir comment, s'il y avait aucun autre perso qui a été touché. La Xelorette, je regarde, y a rien du tout. Le Yop, le petit Yop, rien du tout. Et puis je vois ma Quavrelivant de loin, je fais ça va, le Roublard a pas touché, ça se trouve, c'est moi qui ai mis des trucs en banque sans m'en rendre compte. Et puis je me connecte avec le Roublard. Et puis je trouve qu'il a une cape bizarre. Alors je me connecte avec. S'il veut bien. Met un peu de temps. Et puis là, voilà, je me retrouve à Inkarnam. Je sais pas trop comment. Donc je regarde. J'ai une cape aventurier, une ceinture aventurier. Et rien d'autre. Donc je trouvais ça assez bizarre. J'avais des cadeaux en banque de familier. Donc en plus de ça, quelqu'un me les a ouverts. Parce que le Minotaur c'était pas censé être ouvert. Le Tiwabit non plus. Et le Crocodile non plus. Je regarde mes ressources, plus rien du tout. Je regarde même plus de Dragodinde. Il me reste juste ma Quavrelivant. Une Pano Aventurier. Même pas de potion ni rien. J'ai vraiment plus rien du tout. Je comprends vraiment pas comment. Parce que je sais pas si vous savez, mais depuis la première fois que je me suis fait hack, eh ben, tout simplement j'ai pris par habitude déjà de 1 de faire un scan avec Malwarebytes, donc ici ou Byte, je sais pas comment on dit, presque tous les jours, voire un jour sur deux. Ça fait des trucs comme ici, donc là c'est automatique, hein, ça se lance tout seul. Et donc pour être sûr de pas me taper des keyloggers et tout ça. Niveau enregistrer des mots de passe et tout ça, tous les cookies de tous mes navigateurs sont tous supprimés tout le temps. Vous pouvez voir ici que Anka Shield est activé, vous le voyez bien. Et bizarrement, je vois là, c'est ici pour ceux qui savaient pas, pour récupérer l'IP, vous allez sur ankama.com, vous vous connectez et vous tombez sur gestion de mon compte ou sur ici, vous allez dans sécurité et ça se met ici. Et je vois tous mes trucs normal. Et puis je vois désactiver en cache-in, donc ça veut dire qu'il est activé. Donc voilà, sécurité activée, il est mis. Donc là je me dis bah, c'est pas possible quoi, il y a tout qui est mis. Là il y a mes navigateurs parce que j'ai désinstallé mon navigateur pour éviter si j'avais quand même eu un keylogger pour le retirer. Donc c'est ça que vous voyez ici. De toute façon l'IP je la change aussi tout le temps. Et en plus de ça je vois ici. Le 11 du 11, donc c'était cette nuit à 1h49 du matin. Une connexion inconnue. L'adresse IP de France en free SSA. Donc je sais pas c'est quoi comme réseau. Et je vois connexion mode non sécurisé. Donc là je me suis dit putain, je me suis encore fait hack. Je suis dégoûté encore une fois par quelqu'un qui, ça se trouve, me connaît ou me connaît pas du tout. Donc j'ai pris son adresse IP. Bon, je vais le faire avancer histoire de regarder avec vous quand même à la banque ce qui reste. L'adresse IP, en fait, pour ceux qui voulaient savoir comment on faisait pour la tracer, vous copiez-collez la, enfin vous copiez l'adresse en faisant CTRL C en la sélectionnant. Et tout simplement, moi je suis allé sur Google et j'ai tapé traceur IP. Alors là, il y a plein de sites qui font ça, localiser une IP par exemple. CTRL V localiser
Ce que j'ai fait, moi, c'est pas la bonne que j'ai pris. Parce que si je mets la mienne de IP, ça va pas aller. Voilà. Donc, Perpignan. En France. Ça me dit pas grand chose. Mais ici, sur ce site-là, IP adresse, ben, ça nous montre vraiment tout, tout, tout. Je vais vous montrer, vous faites tracking. Et il y a tout qui se met. Donc voilà, il y a l'adresse de la personne. La ville et tout. Quand on est inscrit au... Comment? Au site, on peut avoir même le numéro de téléphone associé à la maison, l'adresse exacte et tout ça. Mais bon, ça je vais quand même pas vous le montrer à tout le monde parce que ça se fait pas trop vraiment de faire ça parce que c'est carrément du hack. Donc j'ai pas envie de faire subir aux autres ce qu'on me fait subir, donc voilà. Je vais quand même rester avec vous encore un petit peu pour aller à la banque. Juste pour voir un petit peu s'il m'a pas laissé 2-3 trucs. Parce qu'elle est 0 kama. J'ai absolument rien du tout quoi. Je sais même pas si je vais savoir ouvrir la banque en fait. Je vais tout simplement changer de perso. Sur la Xel normalement, elle est à la banque je pense. Parce que la dernière fois que j'avais été, c'était pour vider le blé que j'avais fauché. Donc s'il veut bien. Bon, ok, gros bug en plus, donc je vais faire pause, je vais me reconnecter, je vous reprends. Donc voilà, j'ai dû relancer le launcher, ça a bugué, j'ai pas trop compris pourquoi. Allez, normalement, la Xel devrait être pas loin de là. Donc franchement, je suis vraiment dégoûté, quoi. Voilà, alors, est-ce qu'il me reste quelque chose? Il me reste 45 000 kama. Ouais. On va aller à la banque. Donc je vois. Toutes mes captures pour la quête du Dofus Ocre sont toujours là, donc là c'est pas trop mal. Des ressources, il reste toujours pas mal. Des équipements, mais il reste plus rien. Ouais, j'ai quand même 43 000 km en banque, ouais, c'est super. Je vais ajouter les km du Xel. Je vais mettre 16 élixirs. Je vais lui laisser ces trucs. Je vais vider ces stuff. Histoire d'avoir quand même un petit peu d'items sur le roublard. Et puis je vais voir ce que je peux faire. Hein, donc voilà, si vous n'avez pas de vidéo pendant un petit moment, bah c'est que je m'occupe de ça. Hein. Je vais essayer de me refaire comme je peux, peut-être vous trouver des astuces Kama que je vais pouvoir utiliser, peut-être les utiliser un petit peu plus je vous les donner, pourquoi pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, moi je remercie le hacker, franchement c'est vraiment super sympa de ta part. Et à une prochaine fois, allez, salut.